Bonsoir, Mylène. Bonsoir. C'est le plus mauvais moment pour vous, parce qu'il faut parler. Oui, je vous confirme. Vous me le confirmez. Un mot sur cet album, Innamoramento, hein, en italien. Innamoramento, oui. Vous avez écrit 4 ou 5 chansons, paroles et musique. C'est la première fois que vous écrivez autant, non? C'est la première fois. Car depuis le début de votre carrière, il y a 15 ans, depuis Libertine, vous avez toujours écrit. J'ai toujours écrit mes textes, et Laurent Boutonnat, la musique. Alors, vous êtes un cas particulier. Vous êtes là depuis près de 15 ans, ça ne se voit pas, mais vous avez vendu déjà 10 millions de disques. Et vous n'avez chanté que 2 fois sur scène. Pourquoi cet écart entre le deuxième Bercy et le troisième? Parce que j'ai besoin de ce temps, parce que je veux ces moments rares, parce que je veux l'émotion intacte. Donc ce sont des moments qui se doivent être rares pour moi. Ça veut dire que les rares fois où vous regardez, vous avez devant vous les gens qui vous aiment, mm-hmm. c'est sur scène, évidemment. Oui. Ouais. Mm-hmm. Et maintenant, vous revenez le 24 septembre, c'est ça? Oui. Je vous remercie beaucoup de votre visite. Merci à vous. Dans Tapis Rouge, chère Mylène Farmer. Je vous demande de l'applaudir encore. Merci.